Donc, le but de cette capsule vidéo est de vous montrer comment faire un escalier droit, comment bien le dessiner en plan. En fait, il va y avoir plusieurs capsules sur la thématique escalier, sinon ça va faire ça ferait des capsules interminables. Donc, à ce moment-ci, je ne sais pas exactement combien il va y avoir de capsules. La première, je vais vous montrer comment dessiner un gabarit pour pouvoir représenter correctement votre escalier et pour entamer votre planification. Donc, ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que la conception d'un escalier, c'est une des choses les plus complexes à laquelle un technicien peut avoir à faire face. Donc, technicien en architecture ou en design intérieur dans votre cas. Donc, on va essayer de démystifier la chose. Bon, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est quelque chose de complexe. Et il n'y a pas vraiment de secret, il faut en faire pour réussir à devenir bon. Bon, vous avez eu en architecture le cours sur les escaliers, donc la théorie et un mini test là, sur le sujet. Bon, c'est une introduction à la notion des escaliers, mais ça ne fait pas de vous des gens qui sont encore compétents avec ce procédé là, de conception d'escalier. Donc, on va refaire les étapes une à une. Pour vous démystifier autant que possible la chose. Bon, donc voilà. La chose la plus importante lorsqu'on commence un escalier, c'est de connaître notre hauteur de plancher à plancher. Donc oui, un escalier nous permet de passer d'un plancher, d'un dessus de plancher à un autre dessus de plancher. Faites attention de ne pas faire l'erreur de prendre la hauteur sous plafond. Ce n'est pas la bonne chose. On ne veut pas se rendre seulement au plafond, on veut se rendre à l'étage au-dessus. Donc ici, on a des informations très importantes. La hauteur plancher à plancher qui est de 9 pieds dans notre cas. Donc une hauteur de 9 pieds, ça nous fait donc 9 pieds fois 12 pouces, ça nous donne 108 pouces de hauteur plancher à plancher. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Donc on va déterminer notre nombre de contre-marches. Si on se réfère au code du bâtiment, code de construction du Québec, donc, vous voyez ici, hauteur de contre-marche rectangulaire, vous voyez dans le tableau 9, 8, 4, 1, donc la partie 9, section 8. On vous donne des informations sur les hauteurs. Donc, il y a aussi les profondeurs de marche qu'on va voir un peu plus tard. Bon, ici, on fait la distinction entre un escalier privé et un escalier commun. L'escalier privé, c'est un escalier qui dessert un seul logement. Donc, ça peut être un escalier intérieur ou extérieur, mais il dessert un seul logement. Escalier commun, ben, c'est tout ce qui n'est pas un escalier privé. Et ce qui est fabuleux dans ce tableau-là, c'est que on distingue deux types d'escaliers, mais vous voyez, ça ne change absolument rien pour les hauteurs minimum et maximum de contre-marche. Donc, il aurait peut-être pu juste mettre une case, puis nous éviter cette réflexion-là. Bref. Donc, lorsqu'on fait un escalier, on va déterminer notre hauteur de contre-marche. Le code nous dit minimum 125 de haut. Et maximum 200. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça, on va regarder. Le code parle en millimètres, hein, évidemment, dans le système métrique, mais l'architecture, construction résidentielle, ça marche tout en pouces, fait qu'il faut toujours faire des conversions. Donc, vous avez une petite calculatrice Windows avec vos ordinateurs, à moins que vous soyez équipé d'un Mac. Donc, sachez-le, vous avez aussi un convertisseur d'unités de mesure dans cette calculatrice-là. Donc, je vais mettre les millimètres et je vais les traduire en pouces. Donc, 125 mm, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne presque 5 pouces. Donc, on va dire 5 pouces. Vous voyez, on peut dire un peu plus parce que ça c'est la hauteur minimale. La hauteur minimale, c'est un petit peu en bas de 5 pouces. Donc, pour éviter d'être trop limite, 5 pouces, ça va être parfait. Donc, on va retenir que 5 pouces, c'est notre hauteur minimale autorisée par le code. Maximum 200. Donc, 200, qu'est-ce que ça nous donne? Ça ne nous donne pas tout à fait 8 pouces. Donc, vous voyez 7,87. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, en gros, ça nous donne, je reviens à ma calculatrice standard, 7 divisé par 8,87. Vous voyez, c'est 7 et 7 huitièmes. Donc, normalement, on ne peut pas aller plus haut que 7 et 7 huitièmes. Il ne faut pas arrondir à 8 pouces parce que là, on se trouve à dépasser notre maximum. On arrondit à 5 pouces parce qu'on dépassait notre minimum. Fait que ça, c'était correct, mais il ne faut pas dépasser 8 pouces. Donc, on va viser 7 et 7,8 maximum. Je reviens à mon dessin AutoCAD. Donc, ici, on a 108 pouces. Donc, je reviens à mon dessin. Je vais plutôt revenir à ma calculatrice.
Excusez-moi. Donc, j'ai 108 pouces qu'on a calculé tantôt, ma hauteur plancher à plancher. Je vais diviser par 7,75, donc 7 et 3 quarts. En architecture résidentielle, on va viser des contre-marches idéalement autour de 7 et 3 quarts. Donc, on est en dessous de 7 et 7,8. Généralement, c'est ce qu'on va viser. Donc, 7 et 3 quarts ici. J'ai divisé 108 pouces par 7 et 3 quarts. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 13,93. Donc ça, c'est le nombre de contre-marches que je peux avoir. Bon, 13 contre-marches, ça se peut. 14 contre-marches, ça se peut. 13,93 contre-marches, ça se peut pas. Donc c'est simplement pour... j'ai fait ce petit calcul-là, tout simplement pour voir quel nombre de contre-marches va s'appliquer à mon escalier. Ça, on est dans un nombre de contre-marches minimal. Donc ensuite de ça, je vais me tracer une ligne de plancher à plancher. En fait, je vais en tracer deux lignes. Vous voyez, je suis sur le calque escalier ici. Donc je vais essayer. Donc je suis autour de 13 et 14. Donc je vais essayer avec 13 contre-marches et avec 14 contre-marches, voir qu'est-ce que ça donne. Ben, en fait, je peux le calculer directement avec ma calculatrice. Je vais faire 108 pouces divisé par 13. Ça me donne des contre-marches, donc 13 contre-marches de 8,3 pouces. Vous vous souvenez de ce qu'on vient d'aller voir dans le code? Donc 200, c'est 7 et 7, 8. On ne peut pas faire ça. Les contre-marches sont trop hautes et ne sont pas conformes au code. On va refaire le calcul maintenant. 108 pouces divisé par 14 contre-marches. Ça me donne des contre-marches de 7,71. On vise d'être plus près possible du 7. 75, donc on est correct. 14 contre-marches est donc notre nombre de contre-marches minimal. Donc je vais diviser ici. Donc il y a une commande dans AutoCAD qui sert à diviser un segment en parties égales. Donc je fais diviser DIV au clavier. Je clique là-dessus. Je sélectionne mon segment et je lui dis 14. Donc il me divise normalement en 14 contre-marches précisément. Si je mesure. Vous voyez, 7 et 11 seizièmes. Donc, je suis correct. Maintenant, le code nous permet n'importe quoi entre des contre-marches de 5 pouces de haut et des contre-marches de 7 et 7, 8. Mettons qu'on fait le calcul de 108 pouces et qu'on va voir, par exemple, si on a des contre-marches de 5 pouces, ça me donne 21,6. Donc, à 22 contre-marches, mes contre-marches vont être trop basses, mais à 21, ils vont être parfaites. Bon, en fait, ils vont être réglementaires. Donc, ça me donne des contre-marches. Ça va me donner 21 contre-marches, en fait. Bon. Donc, 21 contre-marches, ça commence à faire pas mal de contre-marches. Je fais une division ici, DIV. 21 contre-marches. Donc, vous voyez la quantité de contre-marches que je vais avoir. Donc, chaque espace entre les points est un espace de contre-marche. Donc, vous voyez la quantité de contre-marche que j'ai et qui dit plus de contre-marche, dit plus de marche. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de marche à votre escalier et votre escalier va être plus étendu. Bon, j'ai fait un petit test pour vous montrer qu'est-ce que c'est 21 contre-marche. En fait, j'ai fait l'escalier ici minimal et l'escalier maximal permis par le code. Bon, pour ça, il faudrait qu'on aille voir les profondeurs de marche. On va aller voir les profondeurs de marche dans le code du bâtiment avant de poursuivre. Deuxième tableau ici. Bon, c'est un petit peu plus complexe comme tableau, mais je vais faire un résumé rapidement avant qu'on rentre plus dans le détail. La profondeur maximale des contre-marches, c'est 14 pouces. Donc 355, on pourrait faire le calcul, ça nous donne 14 pouces. Le minimum, c'est 9 pouces et quart. Donc, pour être réglementaire au code, bon, il ne faut pas que la contre-marche soit plus haute que 5 pouces, plus basse que 5 pouces, il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 7 et 7, 8. Il ne faut pas qu'elle soit moins profonde que 9 et quart et pas plus profonde que 14 pouces. Donc ici, j'ai fait les deux escaliers maximum, vous voyez. J'ai l'escalier ici qui est avec le minimum de contre-marche, donc 14 contre-marches qui ont 9 pouces et quart. Donc ça nous fait un escalier qui est... je vais le déplacer dans mon plan, là. Donc ça nous fait un escalier qui est conforme au code, mais qui est vraiment très à pic.
Donc, vous voyez, pas mal plus abrupt que celui qu'on vous demande, en fait, qu'on vous suggère de faire dans l'exercice. À l'opposé, plus on a des marches faibles et plus elles sont profondes, plus l'escalier va être confortable à monter. Mais vous voyez, quand on va au maximum de ce que le code permet, ça n'a comme pas de bon sens. Si on prévoit nos paliers en haut et en bas, notre escalier coupe carrément notre plan en deux. Donc, on aurait un escalier qui prendrait toute la place dans notre chalet. Vous voyez, si je le mets en plan, là, vous voyez toute la longueur qu'il prendrait. Imaginez une largeur de 3 pieds, là. Donc, ça, les escaliers doux comme ça, ben on va mettre ça plus dans un manoir, là, dans un bâtiment très grand et très vaste. Donc, c'est pas souhaitable pour un petit chalet. Donc, on va viser un entre-deux, là, pour ne pas avoir un escalier trop à pic et ni pas trop doux non plus. Donc, on va faire des marches de 10-11 pouces, en fait. Donc, on va regarder immédiatement qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais éliminer mon 21 contre-marche ici pour garder mon 14 contre-marche. Donc, à partir de là, vous pouvez prendre des décisions en tant que designer d'intérieur. Moi, je le fais au minimum, c'est-à-dire 14 contre-marche. Vous pourriez le faire à 15 contre-marche, vous pourriez le faire à 16 contre-marche. Vous auriez un escalier un peu plus doux qui serait encore acceptable. À 21 contre-marche, je pense que ça commence à être beaucoup trop pour l'envergure de notre projet. Mais bon, c'est libre à vous de choisir la profondeur de contre-marche que vous allez choisir, le nombre de contre-marche que vous allez choisir. Je vais vous montrer la méthode avec certaines dimensions, mais la méthode est la même pour toutes. Donc, ça sera libre à vous ensuite de vous lancer dans différents types d'escaliers. Donc, comment je vais dessiner mon escalier? Bon, comme je vous ai dit, on va viser des marches de 10 pouces. Petite parenthèse ici, si vous voulez avoir les points lorsque vous divisez votre ligne comme ça, si vous voulez que les points apparaissent comme ça, il y a une petite commande au clavier. Donc, DDPTYPE. DDP type. Donc, lorsque vous cliquez, appelez cette commande-là au clavier, vous avez les styles de points qui apparaissent. Donc, si vous ne voyez pas les styles de points, une fois que vous avez fait votre division, c'est probablement que c'est ce style de points-là qui est défini. Donc, vous pouvez changer le genre de points que vous voulez avoir, là. Vous pouvez changer la taille aussi. Donc, moi, je suis content avec ce que j'ai. Je ne changerai rien. Mais si vous ne voyez rien apparaître sur votre ligne, c'est probablement que celle-là est définie. Donc, voici comment le changer. DDP type au clavier. Donc, je vais me dessiner une marche de 10 pouces. Donc, 10 pouces, comme ceci. Bon, là, il est temps qu'on retourne dans le code un peu. Il y a deux dimensions dans le code qui sont données pour la profondeur des marches. Donc, ici, ça devient important. Vous voyez la distinction entre privé et commun. Nous, on est toujours dans le privé, un chalet unifamilial. Donc, on a la notion de giron et on a la notion de profondeur de marche. Donc, 355 mm, comme je vous dis, dans les deux cas, c'est 14 pouces la profondeur maximum. Maintenant, la distinction entre giron et profondeur de marche. En fait, si on n'a pas de nez à nos marches, le giron et la profondeur, c'est la même valeur. Si on a un nez à notre marche, bien, en fait, je vais vous montrer quelle est la différence entre le giron et la contre-marche. Donc, nous, on va choisir en premier, ça va être notre giron qui va être 10 pouces. Puis, en ajoutant notre nez, bien, notre profondeur va tomber à 14 pouces. Donc, je démystifie ça immédiatement. J'ai dessiné 10 pouces ici. Donc, je déplace, non, c'est-à-dire je vais copier mon trait sur la marche au-dessus. Donc, vous voyez, zoomer pour être sûr que vous allez accrocher exactement au bon endroit. Donc là, j'ai mes deux contre-marches, une au-dessus de l'autre. Je vais décaler cette contre-marche-là donc déplacer de 10 pouces. Donc, vous voyez, j'ai ma contre-marche, ma marge de 10 pouces, une autre contre-marche, marge de 10 pouces. À partir de là, je peux copier le nombre de fois désiré ma marche ici. Donc, je vais prendre comme point de départ le devant ici de cette ligne-là et je vais l'envoyer sur la marche qui existe déjà ici. Donc, je vais me servir de mon point de repère ici sur ma deuxième marche et donc ainsi de suite, je vais monter jusqu'à temps que j'aie une marche sur mon plancher, sur le dessus de mon plancher de l'étage. Donc, presque terminé. Voilà. À ce moment-là, je vais aller valider cette marche-là ici. Il faut qu'elle soit exactement rigoureusement par-dessus, le dessus de votre plancher.
Si ça n'arrive pas parfaitement, vous devez recommencer les étapes qu'on vient de faire parce que vous avez fait une erreur à quelque part. Généralement, c'est parce que vous n'aurez pas accroché au bon endroit. Donc, cette méthode-là, c'est la seule méthode qui va vous permettre d'avoir rigoureusement des contre-marches avec la valeur précise. Si vous essayez de déplacer ou de copier vos marches en le tapant au clavier la valeur, ça ne devrait pas marcher parce qu'il y a beaucoup de fractions. Là. Vous voyez, quand on a fait 108, oups, 108 divisé par 14, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc, vous ne serez jamais capable d'avoir exactement la bonne valeur. Donc, à moins que ce soit un chiffre que vous êtes chanceux puis que votre hauteur plancher donne un chiffre rond, là, à ce moment-là, vous pourriez copier. Mais sinon, la seule méthode, c'est de tracer un trait comme j'ai fait du dessus de plancher au dessus de plancher et de faire une division. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la bonne valeur. Je n'ai plus besoin de mon guide ici, je peux le supprimer. Donc, j'ai toutes mes contre-marches, ici toutes mes marches, c'est-à-dire de 10 pouces. Maintenant, je vais m'ajouter un nez d'un pouce. Donc, le nez d'un pouce, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais étirer d'un pouce chacun des traits comme ça pour qu'il empiète sur la marche avant. Donc, pour le faire, vous voyez, il y a une méthode un petit peu plus rapide là. Donc, je vais appuyer sur Shift au clavier et cliquer sur les petites poignées qui sont situées à la gauche comme ça. De cette manière-là, je vais être capable de faire tous les étirements d'un coup. Ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je relâche le bouton Shift et je clique comme ça. Vous voyez, toutes les lignes s'étirent. Je tire vers la gauche et je fais 1. Donc voilà. Chacune de mes marches, pardon, mesure maintenant 11 pouces et empiète d'un pouce sur la marche précédente. Il y a deux avantages à faire ça de cette manière-là. La première, c'est que notre pied, lorsqu'on pose notre pied sur la marche, peut empiéter sous la marche suivante. Donc, c'est plus confortable. Lorsque les marches n'ont pas donné, on a tendance à donner un coup de pied dans la contre-marche pleine. Donc, on se cogne les orteils sur la contre-marche. Donc, c'est moins confortable à monter. Premier avantage. Le deuxième, c'est que à chaque marche qu'on fait comme ceci, on gagne un pouce. Le début, entre le début et la fin de notre escalier, on gagne un pouce à chaque marche. Donc, si on a 14 contre-marches, on gagne un pied arrivé en haut. Donc, si j'avais des marches d'une profondeur de 11 pouces, que je n'avais pas mis de nom, de nez, pardon, de marche, ben, j'aurais un escalier qui aurait un peu plus qu'un pied de plus, qui prendrait un pied de plus large là, dans sa longueur d'escalier. Donc, c'est les deux avantages. C'est plus confortable et ça prend moins de place. Donc, c'est donnant-donnant. Bon, maintenant, je peux vous expliquer quelle est la différence entre un giron et une profondeur. Donc, la profondeur, c'est, si je me prends une cote comme ça, la profondeur, c'est vraiment la profondeur réelle de ma marche. Le giron, c'est de nez à nez. Donc, de nez, bonjour, attendez un petit peu. Je vais dessiner ma contre-marche comme ceci, ça va être plus facile. Attendez voir. Je vais prendre ma cote. Bon, je vais dessiner une marche à 11 pouces, puis après ça, je vais réduire, ça va être plus simple. Comme ceci. Donc voilà. Donc dans ce cas-ci, mon giron est de 10 pouces, donc de nez à nez, c'est 10 pouces, et ma profondeur, c'est 11 pouces. Si je retourne dans le code, donc mon giron, je ne peux pas aller en bas de 8 et quart. J'ai 10 pouces, donc je suis correct. Je ne peux pas aller en haut de 14, donc je suis loin du 14. Et ma profondeur, je ne peux pas aller en bas de 9 pouces et quart. Donc, si on fait 235, là, puis on fait la petite conversion, je ne peux pas aller en bas de 9 pouces et quart. J'ai 10 pouces, donc j'ai 11 pouces, pardon, donc je suis correct. Et je ne dépasse pas le 14 pouces. Donc, mon escalier est conforme. Mais je pourrais prendre n'importe quelle valeur entre les deux qui sont là. Faites attention, si vous allez au minimum et que vous n'avez pas de profondeur de marche, vous n'avez pas de nez de marche, vous ne pouvez pas faire une profondeur de marche de 8 écarts, hein? Ça vous prend 9 écarts minimum. Donc, le giron, c'est vraiment l'espace de nez à nez. Donc, si vous avez une profondeur si vous n'avez pas de nez de marche, votre profondeur, c'est 9 écarts et non pas 8 écarts. Donc, si vous allez au minimum, là, ne vous trompez pas là-dessus, c'est très important. C'est cette valeur-là qui prédomine.
Donc, généralement, les escaliers où ce qu'on va aller au minimum, là, c'est-à-dire minimum de contre-marche et le plus étroit possible, ça va être des escaliers secondaires, des escaliers de service, là, comme par exemple l'escalier qui relierait, dans ce cas-ci, notre rez-de-chaussée, notre sous-sol où est-ce que du rangement et le réservoir à eau chaude et le panneau électrique, donc quelque chose qu'on n'a pas besoin d'accéder de manière régulière. Donc voilà, on a un giron de 10 pouces, une profondeur de 11 pouces. Comme ceci. Je vais effacer ici. Voilà. Je vais déplacer un peu mon escalier comme ceci, vers la droite. Et on va maintenant dessiner notre escalier en plan. Donc au-dessus, on va se dessiner notre escalier comme ceci. Je me fais deux lignes guides des hauts. Je vais copier ma ligne guide au-dessus à 36 pouces. Le code permet une largeur minimale d'un escalier intérieur à 34 pouces. Généralement, on va y aller à 36 pouces. C'est un peu plus confortable là, comme largeur d'escalier. Mais on pourrait aller à aussi peu que 34 pouces si on était mal pris dans notre espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais reporter mes lignes. Donc, je vais faire encore une ligne guide des hauts. Et là, vous voyez, il y a des petites questions qui sont posées ici. Pour aller plus vite, je vais dire vertical. Donc, V pour vertical. Et je vais me dessiner une ligne sur le devant de chacune de mes marches. Comme ceci. Voilà. Ensuite de ça, je vais me faire un ajuster. Commande clavier AJ. Je sélectionne mes deux premières lignes guides que j'ai dessinées. Je presse sur la barre d'espacement et là, je peux venir ajuster ces lignes-là comme ça. Donc, si j'ai mes nez de marche, j'ai besoin de mes contre-marches. Donc, vous voyez, j'ai une ligne pleine qui va représenter le devant du nez de ma marche. Et je vais avoir une ligne pointillée un pouce derrière qui va représenter ma contre-marche pleine. Donc, éventuellement, il va y avoir un élément plein ici, là. Donc, je vais faire copier. CP. Je sélectionne tout ça et je copie un pouce vers la droite. Donc, je peux vérifier avec mes lignes guides pour être bien certain que mes contre-marches sont à la bonne place. Vous voyez ici, comme ceci. Si je prends une autre ligne guide comme ça, vous voyez, j'arrive exactement à ma contre-marche. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je donne une couleur pointillée à ces lignes-là. Donc, première, je vais la faire plus pâle. Je vais la dessiner en gris 8. Et ensuite, je vais me donner la couleur, c'est-à-dire les pointillés cache 2. Donc, les plus petits pointillés. Et par expérience, donc je me suis pratiqué avant de faire la capsule vidéo, c'est trop grand encore cache 2. Donc, je vais aller dans mes propriétés. Propriété ici et je vais mettre 0.5. Donc encore plus petit. Je triche mes pointillés. Vous allez voir, ça sort très bien en plan, en présentation. Maintenant, je vais me faire un correspondre propriété. Je sélectionne ma première ligne et je vais correspondre les propriétés. Faites attention, vous devez toujours prendre la ligne de droite qui représente votre contre-marche. Donc c'est celle-là qu'il faut qu'elle soit en ligne cachée. Donc je sélectionne tout ça ici. Comme ceci. Ensuite de ça, toujours dans le code du bâtiment, ça nous dit que on doit avoir un palier en bas et en haut de notre escalier qui a au moins les mêmes dimensions que la largeur de mon escalier. Donc, je vais copier. Bon, je peux même me faire un décalé, ça va aller plus vite. Donc, décalé, DC, 36 pouces. Je vais copier ma ligne rouge ici, décalée, c'est-à-dire vers la gauche, à cet endroit-là. Et l'autre, je prends, encore une fois, il faut que je prenne ma ligne rouge ici, vous voyez, là, pas ma ligne pointillée, je prends ma ligne rouge et je la décale vers la droite. Il me reste un petit ajusté à faire. Comme ceci. Ensuite, pour compléter, je vais aller chercher, vous voyez, la petite flèche ici pour indiquer mon sens de déplacement. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je l'amène ici. Donc, vous voyez ici, je suis en bas de l'escalier. Je me dirige vers le haut. Je vais commencer par me copier la flèche. Je vais en avoir une en bas et une en haut de mon escalier, comme ceci. Bon, donc ici, c'est plutôt en haut.
Donc, je suis au rez-de-chaussée et je me dirige vers le haut. En haut, on dessine les petites flèches comme ça pour pouvoir parce que là, vous allez amener ce gabarit-là sur votre plan et là, vous allez faire des rotations, des déplacements, puis à un moment donné, vous allez perdre le fil. Donc, je vous conseille de vous donner cette petite note-là pour ne pas perdre le sens de vos déplacements. Donc, je déplace ici. Déplacer. Je viens le mettre, je vais mettre le centre de la bulle sur la première contre-marche ici. De l'autre côté, je vais me faire un miroir de ma flèche, comme ceci. J'ai besoin de ça. Donc, je vais rapprocher un peu et je déplace ici, sur ma ligne pleine, comme ça. Donc, ici, je suis en haut, vous voyez, je suis sur le palier en haut. Je me dirige vers le bas, donc EB pour en bas. Donc un petit point ici. Ici, je suis en bas et je me dirige vers le haut. Donc, je mets EH pour en haut. Donc, vous avez votre gabarit d'escalier droit qui est fait. Je vous conseille de faire un bloc avec ça. Donc, B, commande clavier B. Je vais appeler ça gabarit. Gabarty, donc gabarit escalier droit. Je spécifie un point de base, peu importe. Je choisis mes objets comme ceci. Et voilà, j'ai mon gabarit maintenant. Je peux le déplacer sur mon plan, comme ceci. Je vais aller dans ma présentation, vous voyez. Mes contre-marches sont parfaites, là. Ils étaient trop grandes avant que j'ajuste l'échelle à 0,5. Donc voilà, vous avez votre gabarit. Ah, oh, j'ai oublié quelque chose. Je vais revenir, donc je vais faire undo. Donc, j'ai oublié une petite étape, une étape primordiale, en fait, avant de faire, donc je vais même revenir avant la création de mon bloc. Donc, oubliez les dernières étapes, je recommence. Donc, avant de faire mon bloc, je vais me tracer une ligne qui passe par le nez de toutes mes contremarches. Donc, vous voyez, je clique sur le premier nez en bas, sur le dernier nez en haut, et je fais un déplacé, DP. Je prends cette ligne-là. Il ne faut pas faire un décalé, il faut vraiment faire un déplacé. Je déplace cette ligne-là vers le haut de 77 pouces, ce qui représente 6 pieds 5. Donc 6 pieds 5, 6 pieds c'est 72 pouces, plus 5 pouces, ça fait 77 pouces. Qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? C'est mon échappée. Donc si je reviens encore une fois dans le code, où est-ce qu'on parle de l'échappée? Voilà l'échappée. 20-50, donc si je fais la traduction 20-50 dans mon traducteur ici. Oh, attendez, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai la bonne notion? Non, je me trompe, ce n'est pas 20-50, excusez-moi, je me mêle. Comme on est dans un escalier qui descend un seul logement, c'est 19-50. Donc 19-50 mm. Je vais revenir ici dans mon convertisseur de longueur, millimètres et pouces, je vais faire 19-50. Vous voyez, ça me donne 76,77. Donc, 76 pouces et 3 quarts. On va arrondir ça à 77. Donc, je reviens dans mon plan. Et j'ai déplacé ma ligne. Je ne l'ai pas décalée de 77 pouces. Je l'ai déplacée vers le haut. Et ça me donne la hauteur de mon échappée. Qu'est-ce que c'est que l'échappée? Quand le petit bonhomme va descendre l'escalier ici, c'est le dégagement minimal que ça nous prend pour pas que notre petit bonhomme se pète la tête sur le plancher, donc l'ouverture dans le plancher ici. Donc, le code nous exige 77 pouces de haut. Donc ça veut dire que mon plancher de l'étage peut empiéter sur mon escalier ici. Comme ceci. Je vais mettre cette ligne-là en cyan. Et je vais mettre cache. Comme ça. OK, maintenant, je peux faire mon bloc. Donc là, vous comprenez bien là, que c'est le plancher de l'étage ici peut empiéter jusqu'ici sans qu'il y ait de risque que les personnes qui descendent l'escalier viennent se cogner la tête ici sur le plancher. Donc voilà, je me fais un bloc maintenant, c'est vrai, je fais mon bloc. Donc je l'appelle gabarit escalier droit. Je choisis mon point d'insertion ici. Je choisis mes objets comme ceci. Et je fais OK. Maintenant, je suis prêt à amener mon escalier sur mon plan.
Je vais en présentation. Donc voilà. À ce moment-là, bon, l'utilisation de ce bloc-là demande un petit peu d'abstraction. On va apprendre un peu plus tard à dessiner l'escalier correctement au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc ce n'est pas le dessin final de l'escalier. C'est un gabarit, c'est un outil qu'on vient de se créer pour réussir à faire notre aménagement. Donc il faut comprendre que quand on est en bas, donc on a le palier ici qu'il faut respecter. Quand on est en bas, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'escalier disparaît tranquillement et à un moment donné, il vient se fusionner dans le plafond. Donc, on n'est pas limité autant que de ce côté-là que ce que le bloc semble nous suggérer. Lorsqu'on est à l'étage ici, donc notre ouverture va aller jusqu'ici. Donc, la partie en bas avec le palier, il ne faut pas en tenir compte lorsqu'on est à l'étage et qu'on fait notre aménagement. Donc, il y a un petit peu d'abstraction à faire là, pour réussir à bien travailler avec ce gabarit-là, mais je pense que c'est la façon la plus simple de le travailler. Donc, évidemment, lorsque vous allez avoir créé votre deuxième étage, il va falloir vous assurer que votre gabarit est placé rigoureusement, exactement au même endroit à chaque étage. Donc, si vous déplacez pour votre aménagement, si vous déplacez légèrement vers la droite votre gabarit au rez-de-chaussée, il ne faut pas oublier de faire exactement le même déplacement à l'étage. Donc, l'escalier ne peut pas avoir deux positions différentes, là, il relie les deux étages ensemble. Donc, à partir de là, vous pouvez jouer avec ce bloc-là. Vous pouvez faire une rotation, comme ceci. Bon, par exemple, à quoi ça nous sert le petit bloc d'échappée comme ça? Bien, je vais vous donner un petit indice tout de suite. Je dessine ma poutre ici. Donc, vous voyez, là, ça, c'est poteau avec la semelle en dessous, semelle isolée. Donc, il y a une poutre à cet endroit-là. La poutre, je ne peux pas passer à travers avec mon escalier. Ça demanderait de couper la poutre. La poutre, c'est un élément structurel porteur. On ne peut pas couper ça. Donc, à quoi va servir ce petit outil-là? Vous voyez, je vais faire mon déplacement. Je vais prendre mon échappée ici, que j'ai dessinée sur mon gabarit, et je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, ma poutre, si je ne veux pas me cogner la tête sur ma poutre, je ne dois pas dépasser la petite ligne bleue qu'il y a là. Et qu'est-ce qu'on remarque à ce moment-là? Vous voyez, je n'ai pas cette place en haut de mon escalier. Donc, le code dit que je dois avoir une profondeur de palier qui est égale au moins à la largeur de mon escalier. Vous voyez ici, il me manque une petite affaire. Petite affaire de rien, il me manque un pouce et un 8. Mais, donc, il faut respecter ce que le code dit. Je n'ai pas de place pour mettre mon escalier dans ce sens-là. Est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens, mon escalier? Donc, oui, en passant, un escalier, c'est masculin. Ce n'est pas une escalier, c'est bien un escalier. Donc, mon escalier, est-ce que je peux le mettre en bas? Je vais faire une rotation. Pour vérifier, je fais une rotation comme ceci. Je déplace mon échappée comme cela. Je le colle de l'autre côté de la poutre, donc je ne peux pas. J'ai besoin de cet espace-là pour ne pas me cogner la tête sur la poutre. Et je ne peux pas scier la poutre, donc je suis obligé d'être comme ça. Et voilà ici, ah, là j'ai assez de place pour mettre mon escalier dans ce sens-là. Donc ça veut dire que ma poutre n'est pas parfaitement centrée dans ma maison. Et si je me fais une ligne de mur à mur, vous voyez le point central, effectivement, la poutre est presque au centre, mais elle n'est pas tout à fait au centre. Donc ça, c'est permis. Maintenant, il vous reste à jouer avec ce gabarit-là pour faire votre aménagement. Donc voilà, c'était comment créer le gabarit pour l'escalier droit. Dans des capsules subséquentes, je vais vous montrer comment faire l'escalier en L et éventuellement l'escalier en U. Donc là, ça fait 34 minutes, 35 minutes presque. C'est assez long pour une capsule. Donc on se retrouve dans une capsule subséquente pour les autres types d'escaliers. Merci et au revoir.